Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, mais un peu particulière. En premier, je vais vous montrer des produits que je vais vous faire gagner sur Instagram. Et il fallait absolument que je vous en parle deux minutes ici. Et après, un énorme colis que j'ai reçu de mon abonné Mylène, qui m'a déjà envoyé 2-3 colis, 4 colis, je ne sais plus. J'ai une playlist spéciale colis surprise si ça vous dit. Et honnêtement, à chaque fois, Mylène, quand elle m'envoie des colis, en fait, on se fait des colis régulièrement. Dès qu'il y a des choses qui peuvent lui plaire, je mets dans un colis, j'attends un petit peu. Donc moi, le mien, il va pas tarder à partir. J'attendais un petit peu d'avoir d'autres choses à les mettre dedans. Et elle, le sien est arrivé. Donc c'est pour le plaisir de partager. Alors, il y a des choses qu'elle m'envoie. Elle me dit que si ça m'intéresse pas, puisqu'elle m'envoie un peu de tout, je peux les revendre sur mon Vide Vanity sur Facebook, et après l'argent je lui renvoie via une carte cadeau Sephora, etc. Enfin, selon ce qu'elle a envie. Donc voilà, on va commencer par le concours que je vais vous proposer sur Instagram. J'ai reçu une routine complète spéciale de la marque Abelly. C'est une marque, je vous ai déjà parlé de cette marque là sur mon blog. Et du coup, j'ai reçu une routine complète avec le sérum, le contour des yeux et la crème pour le visage. Donc c'est Secret de Reine, le contour des yeux Secret de Reine et le sérum Douceur de Miel. Voilà, les packagings sont très beaux, ce sont des produits bio à base de miel bio fabriqués par la marque Abelly, qui fabrique aussi son miel à eux. Donc je vous renvoie vraiment vers le site Abelly, qui est vraiment un site top. Moi, j'avais eu l'occasion de découvrir à deux reprises les produits Abelly. Avant, j'étais un peu moins fan, mais la deuxième fois que je les ai découverts, en fait, ils ont reformulé tous leurs produits. Et là, c'était gros coup de cœur. Les odeurs étaient beaucoup plus subtiles, alors qu'avant, c'était quand même fort. Et j'ai adoré leur gommage pour le visage que dont je vous avais parlé sur le blog. Et j'ai reçu aussi un gel moussant trésor de pureté à l'aloe vera, à la noix de coco et au propolis, donc qui nettoie et adoucit. Donc j'ai hâte de tester ce produit-là dans ma salle de bain, dans ma douche surtout. Parce que je pense que c'est le genre de produit que j'ai adoré utiliser sous la douche. Et du coup, ben voilà, je vous propose de gagner certains de ces produits. Je pense que c'est 3 des 4 produits sur mon Instagram. Donc je vous renvoie vraiment vers mon Instagram si vous voulez vous aussi une routine complète. J'ai vraiment pris pour me faire une routine complète du matin et du soir. Alors je sais que j'ai reçu d'autres produits aussi pour me faire une routine. Donc je vais voir lesquels je vais commencer en premier. Mais voilà, vous allez constater que tous mes nouveaux produits pour mon visage sont bio. Ensuite, sur mes lèvres, alors je vous en avais déjà parlé il y a 10 milliards de fois, hein, mais enfin, je me rappelle d'ailleurs la première fois que j'ai testé ce rouge à lèvres, c'était le jour où j'allais accoucher, où j'ai eu mes premières contractions pour mon fils Oran. Que de souvenirs avec ce petit rouge à lèvres. Donc là, sur les lèvres, je porte le So Me de MAC, qui est un rétro MAC lipstick lip color que j'adore. Je le trouve trop trop beau. Et il est trop agréable à porter, donc voilà, j'en suis fan. D'ailleurs, j'ai même mis un baume à lèvres avant dessus, et je le trouve quand même beau. J'ai reçu 3 petits produits de la marque Boucotherm, une marque de dentifrice à l'eau thermale. Donc j'ai pris pour mon fils parce qu'il adore cette petite brossette et il adore ce petit dentifrice. Ça apaise vraiment bien les dents, je l'avais déjà reçu et ça apaise vraiment bien les dents. Donc j'en ai repris pour lui, pour les premières dents. Voilà, c'est à la naissance jusqu'au je sais pas quel mois. Mais vous pouvez voilà l'utiliser, c'est sans parabène, sans saccharine, sans alcool, sans colorant, ni parfum de synthèse. On applique sur la gencive du nourrisson par massage léger autant que nécessaire. Et vous avez de la petite brosse comme ça, brosse à dents et en même temps qui masse les dents. Mon fils il adore. Pour ma fille, je lui ai pris donc le Bucotherm comme ceci, toujours de la marque Bucotherm, le dentifrice enfant. Celui-ci il est de 3 ans à 7 ans je crois. Et puis vous en avez un autre de 7 ans à 12 ans que je n'ai pas pris puisque je n'ai pas d'enfant de 7 ans à 12 ans. Et moi je me suis repris pour moi parce que mon mari lui il aime pas le Bucotherm, toujours à l'eau thermale, qui est un peu effet blanchissant. Et ma foi moi je l'aime bien, hein. Toujours à la propolis. Donc voilà, ce sont vraiment, ils ont totalement intégré ma routine. Donc voilà, pour mes produits routine. Maintenant commençons les d'autres colis. Le colis de Dog, depuis hier soir il est là, j'avais trop envie de l'ouvrir. Mais je voulais qu'il y ait une certaine luminosité quand même pour faire ça sympa. J'arrive même plus à m'exprimer aujourd'hui. Une petite carte déjà, je trouve trop jolie. Hein. Elle me dit, fais pas attention à la carte, mais moi je la trouve trop mignonne. Voilà, c'est une fête main, mais ça me fait plaisir quand c'est fait main. Donc ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, elle est trop mignonne parce qu'elle met toujours des petits trucs aussi pour mes enfants. Un petit CD, alors ma fille elle adore écouter de la musique et des petites histoires. Là j'ai l'impression que c'est en anglais ou je suis pas sûre. Donc, c'est un DVD. C'est un petit DVD. Et ben on va pouvoir lui montrer sur les bisounours je pense. Ouais, bisous Bill. Donc ça, pourquoi pas, ça va être cool pour mes enfants. Une enveloppe comme ceci.
avec, je pense, des stickers, on dirait. Waouh, il y en a beaucoup, plein de stickers comme ça, mais il y en a un paquet. Oh là là, la classe, je vais pouvoir mettre ça dans mon planeur, etc. J'adore. J'en ai quelques-uns d'ailleurs de cette gamme-là, donc c'est... Elle m'a mis plein de petits trucs comme ça, et je sais pas trop ce que c'est. Il y a écrit brisure de bonbons aux fruits rouges, par exemple, mûres, framboises et myrtilles, et vous mettez ça dans de l'eau chaude. Ah non, dans de l'eau fraîche, pardon, pour une boisson désaltérante. Et celui-ci, c'est brisure de bonbons pour infusion, et là, faut le mettre dans l'eau glacée. Ou dans l'eau chaude aussi. Ah non, vous pouvez le mettre dans l'eau chaude et après vous pouvez le conserver glacé. Je sais pas si vous connaissez, mais ça a l'air sympa. Donc il y en a plein qu'on teste. Trop mignon. Et du coup, ah, l'énorme colis, je sais pas si vous verrez. Oh là là, my god, il est énorme, il fait presque 10 kilos quoi. Elle est juste folle. Donc, je vais essayer de me dépêcher parce que je sens que j'en ai pour longtemps. Je vois déjà premièrement un produit qui est bien emballé et ça a l'air d'être... Ah, c'est la marque Amélie et Mélanie, ça me dit quelque chose, rêve d'ange. Et il manque... Ah, c'est une brume d'oreiller. En plus, dans ma dernière vidéo favori, j'ai dit que j'adore les brumes d'oreiller de chez Durance. Mais là, de chez Amélie et Mélanie, j'en avais déjà terminé une que j'avais adorée. Donc, brume d'oreiller. Alors, elle sent... Ça me rappelle une odeur d'enfance. Alors, ça sent pas le coton ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu plus parfumé, mais j'aime bien. Trop cool. J'ai essayé d'aller vite. Donc, un petit paquet comme ça. Et je pense que ça a l'air d'être un magnifique pour le frigo. Oui, alors moi j'adore les manies pour le frigo. Et oh, trop mignon, super maman. Et ça vient du zoo parc de Beauval. Oh, c'est trop chou. Eh ben ça va aller direct sur mon frigo. Oh, mais il y a plein de petits paquets. Je m'excuse par avance pour cette vidéo. Le petit paquet qui est ouf. Donc c'est un blush, le Long Love Hangover de chez Too Faced. Non mais sérieux? Oh là 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 là, en plus en ce moment j'adore les blushs de chez Too Faced. J'ai ressorti mon blush comme ça, mais c'est pas celui-ci, donc j'en avais qu'un. Et c'est pas celui-ci, donc je suis trop ravie. Merci, 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 merci. Un tout petit comme ça. C'est la petite palette de chez Sephora qui est pour les blushs, je crois. Je l'ai déjà aussi, je ne sais pas si... Il paraît qu'elle est vraiment géniale, mais j'ai pas osé m'en servir encore. Donc je vais la mettre dans ma salle de bain pour pouvoir l'utiliser. Et si, bah, si elle ne me plaît pas, je la mettrai en vente, donc sur mon Vite Vanity comme je vous disais. Mais c'est une grande malade cette Mylène. Alors ma fille et moi, on adore se faire des bains. Je sais pas si Mylène, elle le sait d'ailleurs. Et elle m'a mis un sachet comme ça avec que des produits pour le bain. Donc déjà je peux vous dire que ça, c'est des produits bombes cosmétiques. Et moi j'adore. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan de cette marque, mais moi j'adore, tout comme Lush. Et du coup, ma fille, c'est surtout ma fille qui va me les piquer. Regarde-moi celle-là. Sur le thème un peu Noël, tout plein de paillettes. Mais ma fille, elle va te remercier, Mylène. Et ben, j'enverrai des snaps. Elle m'a remis des paquets comme ça de lingettes parce qu'elle sait que moi, je les adore et je les trouve pas vers chez moi. Donc, c'est trop bien. Et du coup, ben, merci. Ça me... Ouais, je connais pas. C'est le masque peel-off éclat uniformisant de chez Sephora. Ben voilà, je vais pouvoir découvrir des produits Sephora que je ne connais pas du tout. Ça c'est cool, un masque peel-off en plus c'est plutôt sympa et c'est rigolo à utiliser. Ensuite un autre produit, ça a l'air d'être d'une bombe, ah ouais, une mousse de douche de chez Emma, Sparkle Sensation. Je connais pas du tout ces mousses de douche de chez Emma, donc ça va être trop cool. Celle-ci elle va être direct dans ma salle de bain parce que je crois que mon gel douche en plus il est presque terminé. Il y a trop de petits cadeaux. Oh, un produit de la marque Macadamia qui est un masque nourrissant pour les cheveux. Trop bien. C'est un truc qui me gêne. Donc voilà, je connais pas du tout la marque Macadamia. Macadamia Professional. Professional. Avec mon accent. Alors, il y en a trois petits comme ça. C'est des tartelettes Yankee Candle. Clean Coton. Oh là 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 là. Alors déjà, je les adore toutes les trois. Clean Coton, la Cherry Blossom. Oh, trop bien. Et la Rainbow Cookie que je ne connais pas, celle-ci, Fantasy Sucrée. Ensuite, un petit comme ça. Alors, ça a l'air... Je sais pas ce que ça peut être. Peut-être un petit parfum. Ah, c'est ça, une miniature de parfum. J'adore, de Dior. J'adore les miniatures, la vidéo. J'adore les miniatures de parfum, je les collectionne. Donc ça, c'est trop top. Merci, mais... Eh mais ce colis c'est une folie. Moi le mien il a rien à voir à chaque fois avec elle. Bon je continue hein, parce que dis donc.
Elle m'a acheté un truc où il y a écrit Karine, un optimisme à toute épreuve de la marque Black and Gold. Ça a l'air d'être un stylo, je pense. Je ne sais pas du tout où elle a trouvé ça. Ça, vous savez, c'est des petits trucs un peu... Oh là là, avec le stylo et qui écrit Karine. Mais la tuerie. Je sais pas si vous allez voir. Là, en fait, sur le petit bord du stylo, il y a écrit Karine avec un K. Oh, merci. Oh là là. J'adore. Une autre petite Yankee Candle, fruit du dragon rose. Que j'aime beaucoup aussi. Je l'avais déjà testé il y a quelques temps. D'autres petits, vous savez, fondants comme ça. Je ne sais pas de quelle marque, la marque Drake. Il y a Monoï, Tiare et Caraïbe. Alors ça, je vais les garder pour cet été. Je ne sais pas du tout si vous connaissez, je ne sais pas où ça s'achète. Mais voilà, ça c'est cool. Et je sais que je partagerai aussi avec ma... Tu m'en voudras pas, mais je partagerai avec ma belle-mère parce qu'elle adore ce genre de choses-là. Un grand. Mais t'es une grande malade. Donc c'est la palette de Gwen Stefani. En plus j'ai hésité à la racheter sur un Vid Vanity où j'avais vu qu'une fille la vendait. Mais c'est une grande malade. Regardez-moi ça. Donc c'est la palette de Gwen Stefani avec Urban Decay. Je la connais pas du tout, mais j'en ai tellement entendu parler. Je crois que c'est une édition limitée que vous pouvez plus trouver maintenant, mais je suis sans voix. Je continue. Ça, ça a l'air d'être une crème. Alors, c'est une marque que je ne connais pas. Abgure. Ça me dit quelque chose quand même. Une crème à l'huile d'argan, une crème de jour comme ça. Et je pense qu'il y a le complément à côté. Exactement. Donc, il y a la crème de jour et la crème de nuit. Eh bien, écoute, tu me fais découvrir une marque bio. Moi qui disais tout à l'heure que j'étais passée au bio pour mon visage. Parfait. Parfait. Ça s'intégrera parfaitement à ma nouvelle routine. Ça commence à s'entasser de ce côté-là. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Alors, un petit truc comme ça qui a l'air mou. C'est une jolie trousse. Elle est trop belle avec écrit la vie est une fête, commençons par s'amuser. Je sais pas où elle l'a eu, peut-être dans une box ou quelque chose comme ça, mais je la trouve trop belle. Et à l'intérieur, je suppose, ah oui, c'est que des mini rouges à lèvres NYX. Mais elle m'avait dit que, ah oui, elle m'avait dit qu'il y avait quelques rouges à lèvres du calendrier de l'avant NYX qu'elle ne voulait pas. Moi, je l'ai déjà le calendrier de l'avant NYX, donc elle voulait m'envoyer ceux qu'elle n'aimait pas. Je lui ai dit, bah oui, pas de souci, je ferai profiter mes copines. Mais du coup, là, je pense que ça fait pas partie du calendrier, parce que c'est que les NYX professionnels soft matte. Vous savez, ceux-là. Et il y a que ceux-là dedans. Donc, je pense qu'elle a acheté d'autres coffrets. Vous savez, les coffrets où il y en avait 60 à tester. Et ceux-là, je les connais pas, je dois en avoir quelques-uns. Donc, je vais trier. Mais regardez, il y en a au moins 20. Il y en a au moins 20. Alors, je vous ferai plein de photos sur Instagram si ça vous dit. Mais voilà. C'est juste un colis de fou, je sais. Est-ce que vous allez me dire en commentaire? Un colis de malade. D'ailleurs, son papier cadeau, il est trop joli. Tout doré comme ça, j'adore. J'adore son papier cadeau qui est tout doré. Et là, je découvre un packaging tout doré. C'est les matte lipsticks, liquid lipstick de chez Elsa Makeup. J'en avais entendu parler il n'y a pas très longtemps puisqu'ils viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Et c'est le Rosewood. J'ai hésité à passer commande, surtout pendant les soldes. Je ne sais plus s'ils étaient soldés ou pas. Mais le voici. Alors ça, c'est le genre de couleur que j'adore, hein, si vous me connaissez. Un espèce de fuchsia. Trop beau. J'en avais entendu pas mal parler en positif et en négatif. Donc bah, si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais le tester prochainement. C'est une grande malade. C'est une grande malade. Donc elle m'a mis un produit NYX, encore une fois. That's the point. Donc c'est un liner et c'est trop rigolo. Parce que j'ai fini mon liner ce matin. Le liner que j'ai là, qui est un L'Oréal, je l'ai fini ce matin. Donc voici le liner et là on a un Dior, je ne sais pas ce que c'est, un sérum de rouge. Ah, c'est un rouge à lèvres Dior, mais je connais pas du tout. La couleur elle a l'air trop bien et le fait que ce soit un espèce de stylo comme ça, c'est hyper à la mode en ce moment. Je connais pas du tout, oh là là c'est trop bien. Mais c'est une grande malade, je crois que ça va être le titre de ce colis, c'est une grande malade. Elle m'a mis 4 produits Bath & Body Works qui sont des... Et vous savez, les anciens packaging, non, 5 les gels antibactériens comme ça. Donc il y a le Vanilla Berry Sorbet, le Japanese Cherry Blossom. Oui, je vais faire avec mon accent américain, je vais pas péter. Le Raspberry Meringue Teaser Season, un truc un peu sur l'hiver, Noël. Et le dernier, le Snowman Pop.
Mais trop bien. Moi, je suis hyper fan de ces trucs-là, vous le savez. Je pense que Mylène, elle me connaît plus que bien. Je pense que c'est une de mes abonnées les plus anciennes. Et elle me connaît vraiment bien et elle sait que j'adore. Je mets toujours ça dans mon sac à main. Et puis avec mes enfants, maintenant, c'est au quotidien. Bon, j'en ouvre plein de petits et après, je vous montre. Bon, j'en ai ouvert plusieurs petits, mais je suis restée encore sur sur les fesses, on va dire. Elle m'a mis deux miniatures de parfum, une de chez Lancôme, La Nuit du Trésor. Je ne connais pas du tout. Et une petite comme ça de chez Kenzo qui s'appelle Flower. Donc ça, comme je vous ai dit, je suis hyper fan des miniatures. Donc c'est le top. D'ailleurs, quand je vais déménager, je vais me faire une petite étagère miniature. Et un mini Huda Beauty, le Gossip Girl, que j'avais repéré d'ailleurs sur le site. Je suis fan, donc top. Et elle m'a mis une petite palette hyper colorée. Alors ça, je sais pas si je le garderai parce que je suis pas sûre de l'utiliser, de la marque LA Girl, qui est une marque que vous pouvez découvrir aux États-Unis. Donc je vous mets mon lien de mon Vite Vanity en barre d'infos si ça vous dit de racheter, puisque Mylène, je pense que ça la dérangera pas comme elle me l'a dit dans sa petite carte. Déjà, je découvre ça. Ça me fait peur quand je découvre des trucs comme ça parce qu'elle m'inquiète. Voilà. Voilà quand je vous dis qu'elle m'inquiète. Du Dior. Mais Mylène. Oh là là, elle est magnifique. Alors, elle a l'air hyper poudreuse. Comment je vais vous montrer ça sans faire tout tomber? Mais c'est dans les tons un peu gold, kaki et violet. Il y en a 3 mates et 2 pailletés. Là, vous la voyez bien. Alors, j'ai hâte de tester. C'est ma deuxième ou ma troisième palette Dior. Et vous savez que je suis une grande fan de Dior. Mais en fait, elle me connaît trop. Et vous allez dire, la fille, elle est une grande fan de tout. Ouais, un peu. Elle m'a mis du washi tape. Oh là là, il est trop beau. Il est avec des étoiles comme ça, tout doré. J'avais reconnu qu'il y avait un produit Rituals, rien qu'en prenant le gros carton. Parce que je sais pas, ça sentait. C'est le... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je connais pas ce... Ah, c'est la crème pour les mains de la gamme que j'adore, The Ritual of Sakura. Mais j'ai jamais testé la crème pour les mains. Oh non, 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 non. Mon Dieu, c'est trop bien. Alors, elle m'a mis un petit lot de produits bio qui sont, qui m'ont l'air d'être des ombres à paupières bio. Et une ombre à paupières de la couleur green de Neve Cosmetics, donc c'est comme ça que ça se présente celle-ci. Et les autres qui sont bleues, ça se présente dans un packaging un peu en carton. Et ça a l'air d'être VE la marque. VE, je pense que c'est VE. Ah oui, c'est une ombre à paupières, voilà, comme ça, ça se présente comme ça. Il y a un gris, un rose tout clair et un marron qui est très joli. Ben, je testerai, je connais pas du tout les produits ombre à paupières un peu comme ça bio. Donc je testerai un grand comme ça. Alors il y a une pochette, d'ailleurs je les trouve trop bien ces pochettes là de chez Sephora. Une pochette avec des échantillons je pense, des miniatures, des plein de choses, des mascaras on dirait. Non mais c'est la caverne d'Ali Baba ce coulis. Ah ouais, il y a des mascaras, c'est quoi? Des eyelacs Sephora. Enfin bon, il y a des trucs de dingue. Que je vais regarder avec plaisir. Et là, des miniatures de crème dans celui-ci avec des plus grosses crèmes, dont une grosse crème. Qu'est-ce que c'est cette grosse crème? Ah, Léonore Grey, un shampoing Léonore Grey quoi. Un shampoing Léonore Grey, mais il y en a même deux. Deux shampoings Léonore Grey en miniature comme ça, un produit fraîche, un nettoyant pour le visage. Oh là là, bon, ça doit être des choses qu'elle a eues chez Sephora, je pense. Mais je sais pas si elle est sponsorisée Sephora, ma petite Mylène. En tout cas, un milliard de merci. Fini. Parce qu'à la base, je vais vous dire quand même pourquoi elle m'envoie à la base ce colis. C'est parce qu'elle a acheté tous les Calendar Girl et au fur et à mesure de l'année, elle m'avait envoyé quelques colis pour m'envoyer les Calendar Girl. Je lui renvoie bien sûr parce qu'elle veut les garder en collection et je comprends tout à fait. Donc je les lis et je lui renvoie au fur et à mesure, sauf que moi j'arrive pas à les lire aussi vite que je le voudrais. J'arrive à lire que pendant les vacances moi. Donc là, elle m'a renvoyé les derniers qui manquaient, donc octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, pour pouvoir finir. Et moi j'en ai quelques-uns encore à lire, je crois qu'il m'en reste deux à lire. Et après, je voulais lui renvoyer le colis avec tous ceux que j'avais. Mais bon, je pense que je lui ai envoyé avant. Donc, c'était pour ça qu'elle m'a envoyé un colis, je précise, au départ. Un autre cadeau. Ah, mais elle est trop adorable. En fait, à chaque fois qu'elle m'envoie un colis, surtout pendant la période de Noël, elle m'envoie ces petits chocolats-là. J'en suis archi fan. Elle m'a fait découvrir ça dans un des premiers colis qu'elle m'avait envoyé. Ce sont des chocolats Lindt qu'elle ne trouve que vers chez elle, puisqu'elle habite à la frontière avec l'Allemagne, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, merci. Bah écoute, ça va aller dans mon bidon. Encore, on dirait une trousse.
En tout cas, c'est hyper bien emballé, c'est hyper joli, c'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est encore dans cette trousse? Non mais, sérieux? Encore des milliards de rouges à lèvres. Il y en a au moins 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a au moins 16 ou 17 rouges à lèvres. Et on dirait que dedans, il y a des mattes Nice Face. Je connais pas du tout. Il y a des Golden Rose, des L'Oréal, des Sephora, des Miss Ling, je connais pas. Donc je vais découvrir ça. Ah, il y a un crayon Urban Decay pour les lèvres comme ceci, 24-7. Donc je vais regarder de plus près, mais c'est hyper cool. Et comme je disais, tout ce qui ne m'intéresse pas, je le mettrai en vente sur... Enfin, d'ailleurs, faut que j'aille lui chercher une carte cadeau, hein, parce que là, il est temps. Avec tout ce que j'ai vendu pour elle. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Un photophore qui vient de la carterie. Alors c'est tout en mitouflé. Mais ça a l'air d'être un superbe photophore en fait. Vous allez pas voir, mais il a l'air d'être comme ça. Ouais, avec des petits effets un peu à l'intérieur. Moi, je vois à l'intérieur. Mais je crois qu'il est cassé. Ah ouais, il a pas survécu lui. Ah là là, ouais. Non, il a pas survécu. Pourtant, elle avait hyper bien emmitouflé, mais non. Non, 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 non. Oh, il y avait écrit Karine dessus. Oh là 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 là, regardez. Il était trop beau. Donc, comme ceci. Et il y avait écrit Karine dessus. Et là, ça va être vraiment... hyper compliqué de le ravoir parce qu'il est vraiment cassé en mille morceaux. Oh ma petite Mylène, je suis désolée, ma folie était trop beau. En plus, ça aurait fait un sublime pot à crayon même. Oh là là, regardez. Oh, je suis trop déçue. Oh, je suis trop déçue. En plus, elle l'avait protégé et tout pour pas qu'il soit cassé, mais elle l'a mis sur un bord et du coup, ben voilà, il a pas survécu le pauvre. Je vais le mettre sur le côté. Oh, je suis trop déçue. Il était trop beau, merci en tout cas Mylène, mais il était trop beau, je suis désolée. Mais Mondial Relais, ils font attention quand même, mais là, il était sur le bord, donc du coup, non, ça leur a pas plu. Oh, trop bien! Elle m'a mis, oh non mais sérieux, c'est trop bien! Alors ma fille et ses cheveux, ils vont te dire merci quoi. Je lui avais demandé une fois de me faire une commande, je lui avais commandé parce qu'elle va chez DM, ces produits-là. Et sur la routine complète qu'elle m'avait achetée, que j'avais remboursée, ces produits-là, les masques pour les cheveux, sont juste une tuerie pour les cheveux de ma fille et les miens d'ailleurs. Ce sont les masques à l'avocat qui se rincent. Et elle m'en a remis deux pots, quoi. Mais t'es une grande malade. T'es une grande malade. T'es une grande malade. Alors, je vous montre déjà. J'ai ouvert plusieurs paquets pour éviter que ça dure 10 ans. Elle m'a mis une petite palette de trio comme ça, de fard à paupières de chez Catrice, dans les couleurs un peu... violet. Elle m'a mis un espèce de truc comme ça, trop gourmand. Ça sent trop bon, ça sent un peu... Alors, ils disent pomme d'amour. Moi, je dirais que ça sent le caramel et c'est quelque chose que vous, voilà, vous mettez dans le bain comme ça pour donner une petite... ils disent un nia qui donne de la mousse. Une mousse onctueuse. Et vous pouvez l'utiliser aussi sous la douche. Donc ça, c'est top. Après, elle m'a mis un petit... parfum comme ça de chez Rihanna, le nude de Rihanna, vous savez, c'est les petits parfums que vous pouvez emmener, mais je pense, dans le sac en roll-on. Et ça, ils sont beaux, dis donc, je connaissais pas celui-là. Elle m'a mis deux cadeaux de dingue, c'est-à-dire un rouge à lèvres Dior Addict Fluid Shadow. Non, c'est pas un rouge à lèvres du tout, c'est une. Ah ouais, c'est comment on dit un fard à paupières liquide de chez Dior que je ne connais pas du tout. Oh my god, la couleur. C'est le 825. Regardez-moi cette couleur. Hyper métallique, super joli, hyper pigmenté. Waouh, je ne connais pas non plus. Et je pense que ça, c'est trois rouges à lèvres de chez Kat Von D. Si je ne me trompe pas. Donc, ils sont exactement de la couleur du packaging. Donc, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Ils sont roses, voilà, flashy. Il y a peut-être celui-là qui pourrait me plaire. Les autres, je ne sais pas. Donc, j'essaye. Oh, on testera pour un petit moment de folie, pourquoi pas, un make-up un peu particulier, pourquoi pas. Mais voilà, que des tueries jusque là, que des tueries. Je continue avec un petit paquet comme ça, où c'est une petite boîte avec des rouges à lèvres à l'intérieur. Elle sait que je suis fan de rouges à lèvres. Ah, ceux-là, c'est peut-être ceux qui viennent, c'est les rouges à lèvres NYX. Et ça a l'air d'être ceux... Ah oui, elle a bien fermé. Donc là, ça doit être ceux qui viennent de la collection du calendrier de l'Avent, c'est que des NYX. Et je reconnais ceux-là, donc ils doivent venir de la collection du calendrier de l'Avent.
Donc ceux-là, je les ai déjà. Donc j'en ferai pour refitter les copines. Et je continue avec ce petit paquet-là. Donc de chez Clorane, des patchs lissants, défatigants, au bleuet, contour des yeux. Je ne connais pas du tout. Je ne suis pas une grande fan de Clorane pour tout ce qui est soin pour les cheveux. Mais pour les yeux, j'ai jamais testé. Hypoallergénique et il y a 7 pochettes. Bon bah cool. Et il nous en reste 2 pour finir. Un long, un grand produit comme ça. Qui a l'air d'être une mousse de douche ou quelque chose comme ça. Super. Une mousse de douche, mais du coup de la marque Balea qu'on trouve chez DN. Et c'est Fresh and Fruity. Donc je pense citron et pamplemousse. Donc ça va être parfait pour l'été. Je vais le garder de côté pour cet été. Et une autre, ça a l'air d'être une palette. De chez Makeup Revolution. Hashtag accent pourri. La voici. C'est la Ultra Professional Eyeshadow Flawless. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà celle-ci. Peut-être que je l'ai déjà. Je vais vérifier. Et sinon, bah, comme je vous dis, ça sera sur mon Facebook. Elle est très belle hein, d'ailleurs. Elle est très très jolie. Mais je vais vérifier si je ne l'ai pas déjà. Elle me dit quelque chose au niveau des couleurs. Donc, voilà au niveau de toutes ces merveilles. Super. Alors, mis à part le photophore à mon prénom. Qui a cassé, tout est juste divin, hein. Tout est divin, il n'y a rien à dire, c'est juste un colis de malade. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir s'il y a des produits que vous connaissez, que vous avez déjà testé, ce que vous en pensez, ça m'intéresse et n'hésitez pas à aller participer au concours sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Salut !